Eh bien, salut tout le monde, c'est Nostrum. Oh, ouais. Tu manges casse là. Excusez-le. Eh bien, salut tout le monde, c'est Tiktos. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 5e épisode de Skyrim. De Skyrim. Donc, on s'était laissé après avoir tué le dragon dans la tour. Et on rend la quête. Oui, on avait rendu la quête et on allait commencer. À partir au mont. Au Rodgar, voilà. Ah, je sais, c'est ici que j'avais arrêté moi la quête principale parce que j'arrivais pas à monter. Eh, j'en ai chié, j'en ai méchié des. Tu connais le chemin maintenant. Ah, je... demandé d'être. Le Jarl, c'est vraiment, mais c'est horrible. Ah, mais c'est elle qui veut nous suivre. Oui. Non, on s'en fout, elle. Oh, elle est trop nulle. Non, mais il est vraiment horrible parce que le chemin, je l'avais pas trouvé. Tu l'as bien branché au moins. Oui, oui, je l'ai bien branché. Mais il est vraiment horrible parce que. Mais ouais, j'ai pas trouvé moi. Je suis monté par les rochers, je suis mort. Oui, moi aussi j'ai fait comme ça. J'ai trouvé un chemin. Ah, t'as trouvé le chemin, c'est bon. Mais non, j'ai pas trouvé. En fait, le chemin, j'arrive à le rejoindre, mais pas à trouver son commandement. Merde. J'avais un cheval la dernière fois. T'as monté dans les rochers avec un cheval. Ouais. Ah, ouais. C'est vraiment marrant parce qu'en fait, il y a des bugs. Donc, bref, vous allez voir. On monte la montagne à cheval. Montagne à cheval. C'est bien, gros bide. Alors. On doit passer. Alors j'ai trouvé mon chemin que j'ai trouvé. Hein. Alors, c'est ça le chemin. Attendez, je vais vers Nostrum en Ice Tea. Voilà. Je vais vers je sers Nostrum en Ice Tea. Donc on a fini une bouteille. Prendre, ce chemin ici là. Par là. Monter au mont Rodgar. Faut faire tout le tour. Vous allez me dire pourquoi... Oh, moi je suis passé tout simplement par. Par je sais plus. Ah si, par là, par là. Par là. Voilà. Tu fais ça. Tu passes par là. Bon, Skyrim a planté. On vous rejoint après. Bon, en même temps, pourquoi acheter mais, non mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent? Bon, on vient de reprendre la vidéo. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent vraiment des verres? Moi perso, je reprends les pots de moutarde. Toujours moi aussi. Mais c'est des verres, tu sais. Tu le laves et puis c'est un verre. Voilà. Mais il y avait marqué une date dessus, c'est moche là. En gros, on dirait que le verre il va périmer le 7-12-2012. Ah. À 3h. Du matin. Matin. En gros, tu vas boire, il va se désintégrer. Ouais. Bon, on alors, devait... le chemin qu'on va prendre, on va se téléporter à Rivebois. Pour ensuite... Tu dis ensuite. Ensuite. Ensuite, il faudra se démerder. Alors, faudra passer par là. Vous voyez. Alors, en fait, on peut pas se téléporter ici. Si, non. Si. Si, on peut. Génial, génial. On va se téléporter aux mines. Bah, fais-le. Non, on peut se téléporter là, ça pue. Non, on peut pas. Voilà. Et quand on a rejoint Elgant? Bah, Elgant, c'est le début, on arrive là. Mais non, on arrive à Rivebois. Mais non, Rivebois, c'est à... Mais oui, on arrive à Elgant, je t'ai dit. Elgen. Elgant. Elgen. Bon, on passe par là. Bon, on va dire le chemin au vent. On glisse. On marche. C'est là le chemin en plus, je crois. Regarde, tellement net. Moi, je suis passé par là au départ. J'avais fait tac dans les montagnes comme ça pour arriver là. J'ai pas envie de parler. Je sais pas pourquoi. Là pendant un moment. Mais comme vous voyez, une petite épée. Plutôt splendide, hein, j'ai envie de dire. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Par contre, si tu mets ta main entre les deux... L'ère 4e a commencé il y a 220. Lorsque Martin Septine... Martin. Martin, mais il s'appelle Martin. Comme Martin, Martin. Oui, mais... Lorsque Martin Septine se sacrifia pour sauver le monde de la crise d'Oblivion. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu Oblivion? Je sais, hein. je sais. Je sais que l'un de nos vues. Là sais que je te l'avais dit qu'on n'avait pas spawn là. Ah ben voilà. Donc je sais que l'un de des personnes. L'une des personnes. Attendez, je mute le micro pour dire un truc à Nostrum 2 minutes. Non mais vas-y, marche, vas-y. Il n'y a pas de problème, tout s'est bien passé. Non mais là tu suis pas le bon chemin. Que je t'ai dit qu'il faut aller à droite. Non, ah, vite. Si pas. Emmet. Cours pas. Cours pas. Ça. Hein? Ok. Ok. Okay. Et quoi de spécial? Tiens. J'espère que cette vidéo, que cette série vous plaît. Oh. Que vous prenez du plaisir. Arrête de me corriger en live. Que vous prendrez, prenez ou prendrez, prendre. Que vous
prendrez que vous prendre que vous prendra non mais le futur c'est pas AS que vous prenam là t'es fou t'es pas tu ah ouais que vous prenassiez ça c'est du pas assez simple assez... non imparfait si. Non pas assez simple c'est âme ah ouais, ouais. Que vous prenam du bon temps je sais pas, hein. Tu me casses les mêmes. Si au passé simple c'est au passé et vu que ce sera au futur qu'ils verront la vidéo. Bah futur simple. Bah voilà. J'espère que vous prendrez ce que vous avez dit au début. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder ces vidéos en ma compagnie et en celle de Nostrum, Rocher Orphelin, nouvelle découverte. Oh là là, ça me fait peur ici. C'est bien mon endroit que je suis là. Ouais bah faut continuer. Ça sent les monstres, non? Non. 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 Oh le ciel il est beau en rouge. En rouge tu vois. Ah oui. Magnifique. Ah c'est une herbe boréale, non? Non ça c'est la neige. Ah, je crois. La neige c'est à côté. Nini, il fait nuit connard. Ah, là. Merde. Je me fais chier à venir par là moi. C'est pas chrono, on est sur ma chaîne YouTube. Oh purée. Ils vont me faire ban après les mecs qui font les vidéos. Oh. Ah mais y'en a ils bannent pour rien. Attends. Ils te mettent une un avertissement et tout. Attends, pour rien. Pas... Vous êtes passé par là. Ah non, je suis pas le bon chemin dans un sens. Au cas où, tu te sauvegardes. Au cas où on tombe. Et par combat avec moi. Comme Ulcan. Non. Alors. Mais tu sais que tu peux continuer à longer, à avancer en sautant. Non, si ça. Ça rappelle quelque chose ça. Oh. Ouais. Non mais en fait il y a le chemin ici, tu vois. Donc pour ceux qui ont joué à WoW, il y avait un bug qui consistait à se coller à un mur. À se faire lancer lévitation par un prêtre. Dommage. Non. Chute lente. Non. Ah non, ça marchait pas vu que lévitation il te faisait ouais. Léviter. Pourquoi on peut pas sauter là? Continue à longer le mur, tu vois, ça marche. Là il y a ce bug dans tous les jeux je crois. Oui donc un prêtre vous lançait lévitation et on pouvait monter dans le nouvel Orgrimmar. Donc dans Cataclysme. Ouais, t'es pas sorti encore. Dans World of the Lich King. Ah oui non c'était pas. C'est dans World of the Lich King. Parce que maintenant de toute façon on peut voler. Oui. Ah bah voilà. Non. Oui. Non. Non. Je sais pas. Je sais pas. Allez on va monter en sautant. Il faut que tu tournes vers la droite. Voilà, sauter comme ça. Est-ce que certains de vous ont Skyrim mais regardent quand même les vidéos, ça m'intéresserait de savoir. Je sais pas comme ça. C'est bien de se préoccuper de ses abonnés. C'est vrai. Attends, j'ai un truc que j'ai pas compris là. Pourquoi il y a ça là? Quoi? Parce que là c'est là. Parce que là il paye. Tu vois? Ah toi c'est là. Non mais ça c'est un bug ça, je l'avais. C'est là qu'il faut aller. C'est là. Enfin j'espère. Non mais si je m'en souviens, moi j'ai toujours été là. Si c'est un bug. Skyrim, un jeu a été créé pendant 4 ans. Non, ça ne pas trop, parce que c'est moi qui bug. Enfin, toi qui as dîné, connard. Oh, ça fait peur. J'ai cru... Pourquoi tu pars? Parce que, on peut pas, il y avait des rochers. Voilà. Oh, c'est bon. Moi, que... sur ma partie, désolé, mais c'était là-haut. Hein. C'est bon. Regarde, sur la quête, c'est écrit. Oh, Rodgar, je sais lire. Adressez-vous. Au Grisbarbe. Au monastère. Au Rodgar. Voilà. Le monastère écarlate. Vous avez tellement rocher, celui-là. Bon, alors. Mais grave. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais même plus parce qu'il y avait une limitation. Ouais, 5 donjons. Par heure. Par heure. Donc j'ai ça pour les gens. Mais oui, sois abusé. On n'est pas là pour parler. On a qu'à parler de Dofus. Non. Eh, c'est bien Dofus en fait. Eh, c'est grave bien. Non, c'est de l'humour. C'est la musique, la musique. Non, si, le, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le jeu, il est bien, mais que la communauté, il n'y a que des gens de 8 ans. Parce qu'en fait, vu que c'est un jeu gratuit à la base et que c'est pas obligé de s'abonner, les gens, ils font, les enfants, ils font c'est trop bien. Et ils jouent avec leurs copains, Jean-Kevin, et ils restent dans Incarnum, à camper avec leur insertion tactique. Et ils jouent au L96A1. Et je viens de passer à Dofus, à Call of, en même pas 10 minutes, 10 secondes. Non, voilà, tranquillement dans les...
dans les montagnes pendant qu'il raconte sa vie sur Dofus et qu'on en a strictement rien à faire. Merci. Tu commences à comprendre. Pas d'insulte. Franchement, faudrait que vous essayiez de faire un face commentary live. Enfin, un commentary live. Excusez-moi, je le baille. Bon, c'est pas dur encore. Oui, mais quand t'as pas l'habitude. En fait, là, on se parle. En fait, on se parle comme dans la vraie vie. Voilà, donc on est arrivé. Comme ça, je suis débloqué dans mon jeu, dans ma partie. Parce que j'arrivais pas à aller là, moi. C'est pour ça que je suis bloqué à la quête principale. Merde, moi j'ai trouvé, je suis mort 4 fois mais j'ai trouvé hein. Mais moi j'ai pas cherché 20 ans. Après ça m'a gavé, j'ai fait une autre mission. Vu que je prenais toutes les 4 secondes que j'avais. Hein. Là ça va être marrant, enfin marrant, entre guillemets. Hein. Attendez, je vais muter maintenant, dès qu'il y a un dialogue, on s'est aperçu que en fait on entendait mieux donc. Ouais. Donc j'avais muté. Donc un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. N'ayez crainte. Votre cri ne nous fera... Priez pour nous, enfants de dragon. Peut-être répondrons-nous ensuite à vos questions. Priez et laissez-nous apprécier votre voix. Pouf ! Priez pour nous. Frappez-nous du pouvoir de votre voix. Fous ! Enfant de dragon, vous voilà. Bienvenue au Haut-Rodgar. Je suis Maître Arnger. Je parle au nom des Grises. Dites-moi, enfant de dragon, venez-vous faire ici? Nous sommes les Grises Barbes, gardiens de l'art de la voix. Vous avez atteint le Haut-Rodgar, sur les pentes du mont sacré de Kinaret. Nous communions ici avec la voix du ciel et tentons d'atteindre l'équilibre entre nos forces intérieures et extérieures. Vous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un tout-oum, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Le ciel au-dessus, la voix. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Enhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre tour. Voilà, donc c'est bon. Donc là, je vais devoir pratiquer le deuxième mot. Voilà. Donc, qui est tout? Oulala. Qui vous apprenez les nouveaux mots? Vous avez réellement le don. Mais apprendre un mot de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son acception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière.
En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Enhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Là en fait il vient de dire après c'est grave violent, tu pourras déborder. En fait j'ai vu des vidéos de Skyrim. Et Impulsion c'est le sort qui permet de faire tous les glitches. Lossa. J'ai vu un mec derrière. En fait il sait que tu vas crier mais il reste derrière. Donc, je pense qu'aujourd'hui on va upload l'épisode 6. Enfin on va enregistrer l'épisode 6, ce qui nous fera quand même une belle avance. Monster kill. Impressionnant. Votre Toum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bori. Bori. Non, c'est le mec à droite. Maître Bori. Ah, on en a un autre en mode puissance ? Ouais, il y en a un troisième. Déjà ? Et le troisième, on l'a pas. Ah, si, c'est grave. Oui, c'est le problème, si on prend. Ah, que. En fait, tu connais pas le jeu. Si, je crois que c'est moi. Il va me dire de passer en. Tu peux activer maintenant. Ah, j'ai grave envie de dormir là. Non, si je suis en high. Bah oui. Ah j'ai vu que tu l'avais coupé moi. Bah oui mais pour mettre Barry, je l'ai remis. Ah d'accord. Là peut être bien. Voyons là. Maintenant comment apprendre un nouveau cri. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Barry va Maître vous enseigner. Va vous enseigner le wall. La tornade. Wall. Wall. Ok. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous. Bon, on vous laisse écouter. Pour pouvoir le projeter dans un tour. Allez voir Maître Bori pour qu'il vous transmette son savoir. Allez-vous? Open your door, please. Please.
Non. Arrêtez près de moi. Ah, mais j'ai entendu parler. Inspirez et concentrez-vous. Donc un nouveau en action. J'ai mis 3 heures à l'ouvrir. Putain, mais allez. Voilà, donc lui traverse la porte, c'est plus utile. Parle-le à l'autre Google et en même temps tourne vers... Bon. Oh, tu l'as pété à la gueule. Tu lui as cassé les dents, pardon, excusez-moi. S'il y a des enfants qui m'écoutent. Ouais. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Non, pas du tout. Mais veillez à ne pas vous laisser dépasser par votre don. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ousten. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Que le vent vous guide. Et bien voilà. Je sais pas combien de temps on est de vidéo. Recommencez. Ouais, donc là on vient d'acquérir une nouvelle quête. Voilà, donc il faut aller chercher la corne de Jürgen Parlevent. Mais ce sera pour le prochain épisode. Mais t'es sûr qu'on n'est pas genre à 10 minutes là? Ah non, bah, c'est un moment déjà. 20 minutes? Ouais, mais le mieux ce serait 25 minutes de vidéo. Ah, mais j'en ai aucune idée. Non, ça fait un petit moment quand même. Bon. On va se quitter sur de la neige. Non, faut quitter sur un beau truc à chaque fois. Vas-y, cherche autre chose. Bon, la neige. De toute façon, on va s'approcher de Stengrave. Ouais, bah on va s'approcher. On va se rendre ici. On va aller le plus près, donc pas là. Oh. Blancherive. Ouais, faut aller tout droit. Mais si, il y a des bourgs, on va se mettre en haut de la tour. On va voir le... Ah ouais, pour une fin, ouais. Ah, les chevaux, ils sont moches. Regardez. Bonjour. Oui, j'ai démuté. Non, mais il me fait pas confiance, il croit que je mute le micro et que je le démute pas après. Ça, c'est la confiance des youtubeurs. Hein. Enfin, en plus, il est sur ma chaîne YouTube, là. C'est bon, le mec, il se la pète parce qu'il a une chaîne. Si je veux les vidéos, je les mets sur la mienne et pas sur la chaîne. C'est pas bête. Non, je vais me faire une méta. Hop. Et donc, j'espère que... C'est pas fini. Mais c'est la fin. Il est chiant. Essayez de faire une vidéo avec lui. Allez. Personne ne sait exactement pourquoi les drogues. Oui. Et pourquoi à chaque fois. Oh. Et ça, c'est pas épique, ça? Oui, il bouge. Oh. Ok. Oh. Essaye de... Fais E, reste appuyé sur E. Lève-toi. Et reste appuyé sur E, on là. Va le voir. Vas-y. Non, on peut pas. Bon, allez, monte à la tour qu'on finisse cette petite vidéo. En compagnie. Donc, toujours de Johan. Donc, alias Nostrum et Tictos, alias Thibaut. J'aime pas mon prénom, donc taisez-vous. On peut monter en haut de la tour. Non, j'aime pas. Que tu seriez enfant de dragon. Mais... Donc on se... Non mais cette vidéo, ce blog était tellement pas drôle. Attendez. Je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Faire ça, rien. Il va laguer comme un gros porc. J'enlève l'opacité. À quoi ça sert? En fait, j'aurai plus rien sur l'écran. Et voilà. Et là, tu peux faire. Ah ouais, ok. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Fais-moi un fond d'écran, un screen pour mon fond d'écran. Comme ça? Attends, mets une gueule d'un personnage. Genre du garde à droite. Ah, ok. Attends, prends un screen de la ville. Ouais, comme ça. Allez. Voilà, on se quitte sur ce beau paysage. Eh bien, salut tout le monde. Salut!